salut tout le monde, c'est Master System et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode spécial du 31 octobre 2020, c'est-à-dire la capture du mégalodon, les amis. Donc comment on va procéder? Alors rappelez-vous déjà, en 2018, le 31 octobre 2018, on est retourné dans le passé pour le voir. Donc on a plongé la caméra sous-marine dans l'eau pour voir un mégalodon. Mais cette année, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour le capturer. Et on a prévu un appât spécial parce que rappelez-vous, le 31 octobre 2019, on a déjà capturé un animal, mais il s'agit de la baleine, du Basilosaurus. Donc rappelez-vous comment on a procédé pour le capturer. On est retourné dans mon parc, donc c'est ce qu'on va faire. On va un petit peu voir les animaux sous-marins qu'il y a. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, comme les baleines, ça fait beaucoup de bruit, ça lance des cris pour communiquer, et ben nous, j'ai installé un haut-parleur dans l'eau pour le capturer. Donc en gros, j'ai ouvert la porte du temps à côté, et j'ai installé un haut-parleur spécial qui émet des mêmes sons que lui, comme ça, il est attiré, et il vient, et il rentre dans la porte, et c'est là, c'est la capture facile, là. Mais là, aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec le requin. Mais le requin, il n'est pas sourd, comme la baleine, il n'est pas sourd. Il entend bien, mais il ne peut pas faire de cri, il n'a pas de corde vocale. Donc, pour l'attirer, on ne peut pas utiliser de son. Mais, voilà, vous connaissez le requin, comment on attire les requins. La viande, voilà, on va utiliser ça comme appât, on va utiliser de la viande. Donc, voilà, c'est ça qu'on va faire. Mais tout d'abord, on va aller dans mon parc du passé tout de suite. Pour établir un petit peu l'emplacement des animaux sous-marins qu'on va peut-être capturer ensuite, parce que rappelez-vous, 2021, c'est l'année spéciale des éléphants. On va capturer que des éléphants. En tout cas, la plupart du temps, on va capturer plusieurs espèces d'éléphants qui ont vécu avant. Donc voilà, 2021, c'est l'année spéciale des éléphants. Donc faut profiter de capturer les autres animaux qui ne sont pas des éléphants avant l'année suivante. Donc voilà, on ouvre ça, on ouvre la porte. Donc voilà. 3, 2, 1, on ouvre et on rentre. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va plonger la caméra dans l'eau parce que voilà, on va faire un petit peu l'emplacement de là, on va le capturer, on va aménager un petit peu l'endroit parce que plus il y a d'animaux, plus ça va être ça va devenir n'importe quoi. En plus, c'est que des carnivores. Donc voilà, on plonge ça dans l'eau. 1, 2, 3. La baleine de l'année dernière, elle est là. Ça fait pile un an qu'on l'a capturée. Tout pile un an, le 31 octobre 2019. Et voilà. Donc, le 31 octobre 2018, on l'a vu, le requin, mais on l'a pas capturé. Donc, on est retourné dans le passé. C'est pour ça que je vais sortir la caméra dans l'eau. Et je vais retourner exactement là où on était il y a pile deux ans. Là où on était il y a pile deux ans. C'est là qu'on va retourner. Donc, à tout de suite, je sors la caméra de l'eau. C'est parti. Donc, voilà, ça, c'est la porte pour rentrer chez moi. Mais je vais ouvrir la porte pour le requin ici. 3, 2, 1. Et voilà, là, voilà. Ça, c'est la porte du requin. Et ça, c'est chez moi. Et je ferme. Je ferme chez moi. 1, 2, 3. Donc voilà. 3, 2, 1. On rentre chez le requin. C'est parti. Et voilà. Tout le monde l'entendait. Tout le monde l'entendait. Tout le monde l'entendait ici. Donc voilà. On est exactement là où on était il y a tout pile deux ans. Donc, on a lancé la caméra dans cet océan-là. L'océan du Pérou. Là où le mégalodon nous attend normalement. Donc là, je sais pas s'il est resté deux ans ou s'il a déménagé, mais en tout cas, il risque d'y en avoir d'autres, en tout cas, parce que là, c'est voilà. Donc là, on plonge ça dans l'eau, et on voit s'il y a le mégalodon de l'année dernière ou un autre. Donc, 1, 2, 3. On est sous l'eau, on est sous l'eau. Il est où maintenant? Il est où maintenant? Ah, cette fois-ci, c'est pas comme il y a deux ans. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Mais il nous en faut un, il nous en faut un. Donc, ouais, il nous en faut un. Pourquoi il y en a plusieurs? Normalement, c'est solitaire, le requin, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. La viande est là. Ouais, ça a tiré. Non, ça en a tiré trois, mais j'en veux qu'un. Je vais faire qu'un seul requin, attention. Ah, il y en a deux qui se battent. Les deux qui se battent, c'est bon. Viens, vite, c'est bon, viens. Rentre. Porte du temps. Yes. On a le mégalodon, les amis. Donc on va rentrer directement, je ne sors pas la caméra de l'eau, je rentre dans mon parc avec. 1, 2, 3. Et voilà, on est sous l'eau de mon parc. Voilà, là, on est sous l'eau de mon parc. Donc s'il sort la caméra de l'eau, et ben on sera dans mon parc, évidemment. Donc voilà, regardez, la preuve, mes amis sont là, mes anciens amis sont là. Donc voilà, la baleine et le requin se rencontrent. Et oui, Mégalodon et Basilosaurus, ça vous rappelle rien, ça? Il y avait une grosse
grosse baston 2016 dans le lac du parc là de là où j'habite là. Il y a eu Megalodon contre Basilosaurus. Et là, ça c'est, voilà, ça me rappelle, hein, ça me rappelle ce. En plus ils ont failli bousiller ma caméra là. Il y a pile 4 ans les amis, il y a 4 ans. Oh là là, c'était en été, je me souviens. Bon bref, on va se dire à plus les amis, on se retrouve à la sortie du parc. Ou je sais, ou chez moi, je sais pas. Non, on jette la caméra de l'eau et on termine là-dessus. Mégalodon, regardez son aileron dépasser de l'eau là. Voilà, les dents de la mer. On a capturé les dents de la mer, les amis. Donc voilà, on a le mégalodon. Bon sang, on l'a capturé. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Joyeux Halloween à tous. Donc voilà. Donc à plus dans la prochaine vidéo. Et voilà, le T-Rex est toujours dans son enclos là-bas. Il est toujours tout seul. Peut-être que je lui trouve une femelle un de ces jours. Mais en tout cas, 2021, année des éléphants, n'oubliez pas. Donc moi, je vous dis à la prochaine. On l'a capturé. Voilà, le requin, on l'a enfin. Donc ciao.